Alors, bonjour tout le monde. On est ici chez Relais Communautaire. Christina, moi, je vais faire avec vous chaque jeudi, deux fois par mois, d'atelier de cuisine avec le chef. Merci, chef, d'être ici avec nous. C'est notre chef Boilem qui fait beaucoup d'années ici, des repas, beaucoup d'efforts. Il a beaucoup de trucs. Depuis qu'elle était jeune, il a travaillé comme chef. Alors, elle a beaucoup d'expérience. Je l'ai invité aujourd'hui avec moi. Il est fatigué, mais il a accepté aussi d'être avec nous aussi aujourd'hui. Alors, on va commencer. Je vous donne la recette pour aujourd'hui. Pendant que je prépare, je le chef. Ok, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de partager avec vous cette expérience. Et je suis prêt pour donner des choses pour les gens qui nous écoutent, qui nous voient, juste pour qu'on ne jette pas les choses. S'il vous plaît, regarde. Dans le frigidaire, on regarde comme ça dans le frigidaire, on trouve des choses, c'est facile à faire. On peut faire des soupes, on peut faire des moulots, on peut faire n'importe des galettes, je végétarien, on peut faire tout avec. Juste, on va travailler ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour vous, et pour vous, comme ça, vous nous donnez soutien à nous, qu'on va regarder. Comme ça, on va aller ensemble. Soyez écoute, soyez attentivement patient avec nous. On va démarrer. Allez. Merci beaucoup, chef. Alors, pour aujourd'hui, on a pensé de récupérer les aliments qui nous restent. Oui. Moi, j'ai ici des biscuits dans boîte, mais beaucoup de gens ont des morceaux de biscuits dans la maison. Alors, moi, je vais préparer aujourd'hui une recette qui s'appelle salami biscuit avec des biscuits classiques. Pas aromé, pas avec du crème, pas avec des remplissages, rien. Des biscuits réguliers. Moi, j'utilisais Maria cette fois, mais l'autre fois, j'utilisais des autres biscuits. Moi, je vous recommande d'utiliser les biscuits réguliers, pas de chocolat, parce qu'on met du chocolat dedans, il va changer beaucoup les goûts. Alors, des biscuits, on va faire deux recettes. Deux recettes, ça veut dire 500 mg de biscuits, c'est une recette pour deux rouleaux. Aujourd'hui, on va faire quatre rouleaux parce que comme ça, on va profiter demain. Je ne vais pas travailler beaucoup pour les repas, pour les desserts. On va manger demain les recettes, les salami confit ici. Parce que comme vous savez, lundi, on a un dîner de l'amitié. Je vais travailler beaucoup pour les repas de lundi. On profite de cette salami qu'on les fait aujourd'hui. Par contre, les salamis qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas les manger tout de suite. On les prépare, on les met au frigo jusqu'à demain. Alors, excusez-moi, parce que ça, il y a du beurre dedans. Oui. Le beurre, il faut qu'il soit un peu froid, pour qu'il tienne. Ça devient un rouleau comme ça. Ça tient dur, on peut couper après. Si on fait maintenant, il faut qu'il soit frigo. Dans le frigo, ça veut dire que ça-là va être un peu dur. Comme ça, on peut tenir. Qu'on peut couper comme des tranches comme ça. Demain, on va les faire filmer les rouleaux qu'ils ont pris. On va les faire en photo. On va accrocher à ça avec une vidéo. Oui, mais aussi les ingrédients, on va les mettre ici. Tous les ingrédients, toutes les vidéos vont rester sur notre site web. OK, on utilise du lait. Ici, j'ai un mélange. Des chocolats noirs, raisins secs, dorés, pistaches, amandes, camembert et bleuettes. Ok? J'ai un mélange, mais vous pouvez mettre juste des raisins simples, juste des amandes, juste des noix. Qu'est-ce que vous voulez, selon votre goût? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme choses à la maison. Si vous avez juste des raisins secs, c'est bon. C'est bon avec. Oui. Si vous avez des amandes en plus, faites avec. Si vous avez même des arachides, vous pouvez faire. Il y a des gens qui ne mangent pas des arachides, mais tu peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire, même si tu as deux ou trois les aliments, tu peux les mélanger avec, c'est bon. Faut pas, on va le montrer. Celui-là, il ne va pas être bien mixé, juste qu'il soit visuel et le goût. Moi, j'ai dans la maison, j'aime beaucoup les raisins. Mon fils n'aime pas les raisins. Alors, moi, j'ai fait deux rouleaux, un avec raisins, puis l'autre avec des amandes. Et comme ça, on est tout le monde content. Après, sucre, du lait, du beurre,
cacao et j'ai ajouté l'essence de rhum. Je vous donne un conseil. L'essence est très important. Ça, c'est un zeste de rhum. Zeste de rhum. Choisissez qu'est-ce que vous voulez. Ici, c'est la rhum. Il y a des zestes de rhum. Juste de rhum. On oui, met juste des rhum. Les rhum, juste les rhum, voilà. On ne met pas de limon, on ne met pas de vanille. Ça. Oui, c'est des fioles. Ça, c'est le parfum. On ne met pas de limon parce que ça ne marche pas avec les chocolats. Parce que ça va changer le goût. Oui, ça va changer. Et aussi de la vanille, non? Non. Alors, des rhum. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Mais vous trouvez dans tous les magasins essence de rhum. Alors, on commence pour faire les biscuits. On va bien casser les biscuits, mais pas bien, bien, pas tout. Ici, dans cette boîte, moi, j'ai 800 grammes. 800 grammes. 800 grammes. Puis, j'ajoute un paquet, non, deux paquets pour avoir un kilo, oui. Un kilo, c'est correct. La faire ça, oui. Juste enlever le plastique. Tu peux faire ça avec ta main, c'est pas grave. Mais c'est pour moi que je mets ici le paquet. En attendant qu'on fait ça, vous pouvez le dire quelque chose, chef de votre. Ok, une minute, je peux te donner quelque chose. Oui. C'est bien toujours avoir le chef ici dans la cuisine. Ça, c'est beau ça. Comme ça. Oui. C'est facile. De toute façon, vous pouvez casser le volet. Ok, on va faire. J'aime que ce soit un peu grand parce que c'est le design qui est belle. Voilà, je peux que ce soit visuel. Oui, tu sais, ça c'est la recette de qui quand j'étais petit, petit, petit. Oh, ça c'est traditionnel. C'est hein? Traditionnel dans mon pays. C'est ça. Tous les temps, tous les mères préparent à la maison des desserts. Ici, au Rolly, on donne ça souvent. Hein? On donne ça souvent. Oui, oui. Ça se donne tout le temps ici. C'est facile à faire un gâteau comme ça. De toute façon, dans la cuisine, ça ne jette rien. Ça ne jette rien. Tu sais, oui. Moi, des fois, je laisse des choses ici. Avec le temps, je regarde, j'ai plein d'ici de choses. Je vais faire une chose avec. Ça, toujours, je ne peux jamais jeter. Oui. Quoi que ce soit. Si vous avez une viande dedans, si déjà cuit, vous pouvez mettre dedans, laisse-le. Tu coupes en petit, tu vas faire un râpé, tu vas faire un. Avec la soupe, avec. Ils sont cuits, tu peux garder jusqu'à 4 jours. Ça, c'est pour les petits enfants. Ça va être drôle de les amener avec toi dans la cuisine et de faire cette opération. C'est comme un jouet. Les mamans qui savent que les enfants restent à côté leur dans la cuisine, des fois, c'est par entre les pieds. Mais tu peux le faire travailler avec toi en faisant ça. Ça va être distractif. En plus de ça, ça va encourager l'enfant de faire une chose après. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas la peine de vous dire, maman, c'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? Viens voir, tu vas voir avec moi, tu vas me donner un coup de main. Oui. Pour l'impliquer l'enfant, pour l'impliquer avec toi. Oui.
Comme ça, moi, j'ai ici deux recettes. Oui, ça veut dire 4 rouleaux. Tu penses que ça va être assez pour demain, pour tes clients? C'est bon. C'est OK. Parce que si je fais 2 rouleaux, ça ne va pas être assez pour tout le monde. Okay. Mais 4 rouleaux, ça va être correct. Deux recettes. Alors. Regarde, comme ça. Oui. C'est pas bien cassé, comme ça. Va venir voir avec nous. Ok, tu vas voir. Tout simplement, c'est fini le biscuit. Ça, c'est l'opération plus difficile de toutes les opérations de biscuit, c'est ça. Parce qu'après, tu mets tout ça dans le poêle, tu le fais chauffer, il le mélange ici, les roux, c'est tout. Ok. Qui fait l'affaire, c'est celui-là? Oui. Parce que alors, celui-là, c'est lui qui va faire l'affaire. Chef, on a comme ça, deux recettes. Pour 500 grammes, 500 grammes, on coupe la moitié, 200 grammes du lait, du beurre. On met ça moitié, moitié. Ok. On a ici 200 grammes de sucre. C'est où les milligrammes? 200 grammes ici. Ok, pas plus, parce qu'on a des chocolats. On a des chocolats dedans, ici, des morceaux de chocolat. Oui, c'est sucré. C'est sucré. Un peu de cacao. Et c'est pour les 300 milligrammes. Ok, on met ici, dans une poêle. Tu peux ramener là. Ok, tu peux ramener ici. Oui. Regarde ici. On met le sucre. Ça, c'est bien. Le sucre. Et 300 millilitres. C'est où le millilitre? 300 ici. Ok, 300 millilitres. Oui, c'est tout. On va le mettre sur le four, le faire chauffer quand il est bien chauffé. On le retire, on met le beurre, le cacao et le mélange. Oui, puis une fiole de ça. Okay. Yeah. Chef, je t'ai envie de parler avec les clients. Okay. En attendant que je fais ça. Ok, vas-y. Parlez le beurre avec toi. Voilà, je vous ai dit que tout à l'heure qu'à partir du moment qu'on a des choses à faire en frigidaire, on peut utiliser. Je vous donne un exemple. Si vous avez la nourriture d'hier, par exemple, vous avez, par exemple, je ne sais pas, ça veut dire, n'importe quelle nourriture que vous avez, tu dis, hey, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je peux le mélanger, je peux ajouter un peu de olives, je peux ajouter un peu de épinards, je vais bien faire pour faire des rouleaux, je vais faire comme ça les rouleaux, je vais faire au cuir, je mange avec la soupe, c'est bien. Si par exemple vous avez, comment dirais-je, les boîtes conserves. Les boîtes conserves, vous avez l'haricot, vous avez le pois chiche, vous avez les lentilles. Enlève toute l'eau, tu laisses ça à côté, faites deux oignons, faites bien couper les oignons, mets-le avec le poêle, il faut renouveler, il faut qu'il soit un peu doré, mélangez avec. Mets un peu de persil, un peu de chapelure, un œuf, sel, poivre. Tu vas mélanger bien, faire des galettes, tu vas faire cuire. C'est beau. C'est ça pour les végétariens qui ne mangent pas la viande. Ils vont manger ça comme une galette. C'est beau. Si vous avez, par exemple, les légumes que vous n'avez pas utilisés, le chou-fleur, les carottes, toutes les légumes, pas mal. Mets un chaudron, mets dedans. Une petite huile d'olive, sel, poivre, faites une soupe. Tu peux conserver la soupe, surtout la soupe. La soupe, tu peux faire une bol congélateur. Je ne suis pas capable d'ouvrir le four. Ok. C'est bien d'avoir un chef dans la cuisine, hein? C'est surtout la soupe. C'est le moment de la soupe. Surtout, c'est le moment aussi d'hiver. Il faut manger. Toutes les légumes, qu'est-ce que vous avez à la maison? Vous lavez bien, surtout. Faites. Même légumes qui sont cuits, vous pouvez les mettre dedans. Faites-le. Après, quand tu fais comme ça, faites une bol, des bols, mes congélateurs, ce soir, si je suis fatigué, ramène un bol,
laisse-le dégeler. Et à 24 heures avant, tu fais chauffer. Moi, j'ai la soupe. Rien à jeter. Rien. Même la viande. Si vous avez un poulet, par exemple, tu as mis de l'autre poulet. Tu dis, oh, ça y est, j'ai mangé déjà un poulet hier, j'ai mangé un poulet. Ok, ramène-le, tu coupes ton poulet. Tu vas le faire avec ta salade. Une salade verte avec ça, tout son âge rapide avec, tu le manges. Rien à jeter. Si tu as jeté quelque chose, ça veut dire que c'est grave. Je ne jette rien. Les gâteaux, les biscuits, les légumes, le pain. Si vous avez le pain à la maison, par exemple, vous laisse-le dehors. 2 jours, 3 jours, ça ne se dérange pas. Tu le coupes. Tu le coupes bien, comme ça à peu près. Une rondelle comme ça. Faites un peu de beurre ou bien l'huile d'olive avec l'ail. Faites un petit pinceau, tu le changes, faites comme ça, mets-le au four. Laisse-le. Après, quand tu le mets au four, tu laisses un côté dehors. Laisse-le une semaine, ça ne te dérange pas parce que c'est déjà cuit. C'est bon. Quand tu manges la soupe, tu manges. C'est très délicieux. Moi, je l'ai fait tout le temps à la maison. Super classe. Ça veut dire, c'est quoi? On ne jette rien. S'il vous plaît, soyez. Si vous avez, par exemple, une chose, si vous venez, par exemple, lundi, mardi, ou bien vendredi, si vous avez quelque chose à dire, à savoir, ça ne me dérange pas. Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas si tu me dis, chef, j'ai besoin de savoir, je voulais faire ça. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous donner un sens, je peux vous donner ça. Moi, c'est le but, c'est quoi? Tout le monde sera heureux. C'est ça, c'est le but. Parce que dans la cuisine, maintenant, c'est devenu trop cher. Il ne faut jamais jeter. Jamais. Même le pain, même les biscuits, même la farine, même tout ce que tu donnes ici ou bien ailleurs, check. Ça, hop, c'est bientôt terminé. OK, on va ramener ça. Surtout les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, là, vous avez le... Parce qu'on a parlé tout à l'heure, toutes les boîtes de conserve, l'haricot, le hachis, l'antique, pas tout fait, pas bien écrasé, laisse-le un peu qu'il soit bien, quand tu vas faire une galette, tu vas faire au four ou bien comme ça, c'est pareil, mais tu vas les manger, ok? Christina, elle est déjà prête, on va voir qu'est-ce qu'il a fait ici. Oui, j'ai fait brûler du lait, okay. Du lait et avec des sucres, okay. Je mets le beurre, ok. Laisse-moi faire un petit peu de pain. Ok, je vais mettre moitié de ça ici. Bien le beurre. Oui. Ils sont fondus tout de suite. Et 60 grammes de cacao, mais un cuillère comme ça, c'est 60 grammes. Parce que c'est 60 grammes. C'est un peu plus. Il ne faut pas le mettre beaucoup parce que ça va devenir. C'est bon. Ah, j'ai oublié un secret. Un peu de sel. Tous les desserts, il faut mettre un petit peu de sel. Tu as mis le sel? Non, j'ai déjà mis. Tu as mis déjà? Oui, j'ai déjà mis. Oui. Ça, tu dois laisser. C'est fondu. Fondu, oui. Ok. Qu'est-ce qui manque? Rien. Ah, l'essence. L'arôme. Ça, c'est la cité magique. On va le mettre un peu sur le four. Hein? Oui. Mais je pense que c'est fini. On va attendre un petit peu. Parce que notre secret, il n'est pas le liquide ici, il n'est pas doit être très très chaud. Parce que sinon, ça va aussi. Oui. Ça va changer la texture de les biscuits. Juste pour mouiller le biscuit seulement. Oui, c'est ça, c'est laisser, correct. Il ne faut pas oui. Laisser bouillir. Comme ça, c'est correct, chef. Mets les mains. C'est bon. Elle est correcte. C'est bon. Et là, on mélange ça ici. Ok, une minute, je vais attendre un peu. Une minute. Le fond, c'est le plus important. Ok. Avec ça.
On va laisser à peu près 5 minutes qu'il soit bien servi le jus. Ça sent bon. Oui. Ça sent bon. Surtout celle-là avec celle-là, là. Je conseille d'acheter ça. Ça coûte pas cher. C'est 3 $ 4 fioles. Oh boy. 3 $ 4 fioles. Oui, c'est essence de rhum. Essence de rhum, oui. Et pendant que tu chef parles, je vais répéter la même chose avec les autres, l'autre quantité. Ok. Voilà le résultat. Oui. On va laisser ça parce que ça, c'est encore un peu dur. Tu vas tout observer. Après, nous, on va faire ça avec un rouleau comme ça. Le beurre, là, le beurre, c'est lui qui va faire tenir toutes les affaires ici. Mais demain, je vous promets qu'on va faire la photo, on va l'envoyer pour voir comment ça se va. Si vous avez la chance de venir demain manger, on va lui donner à manger. Chef, si tu veux, on peut mettre une capsule de 5 minutes, on prend un petit pause. Oui, on met une capsule. Oui, mettre la capsule d'anti-gaspillage, 5 minutes. On va mettre une petite vidéo de 5 minutes anti-gaspillage pour le projet. On va revenir après. Oui. Dans 5 minutes, on va revenir pour vous expliquer comment on va faire le deuxième recette. On va vous donner une capsule pour vous. Tu vois, chef, ça c'est une recette facile, c'est pas cher, oui, pour les registres. C'est pas cher. Ah, c'est deux fois moins. C'est deux fois rien. Deux fois rien parce que, écoute, le lait, il y en a pour tout le monde. Ça, peut-être ça, mais les uns, deux fois, on donne ici, sinon, c'est pas cher pour faire. Et si vous avez les noix, ok, si vous avez les amandes, ok, si vous avez quoi que ce soit, tu vas les mettre dedans. Mais tout le monde a dans son sac un petit raisin, un petit amande, un petit noix. C'est ça. Tu peux le mélanger. Tu peux le mélanger. Plus tu mélanges, plus ça va donner le goût. Avec les biscuits qui restent de les enfants, le matin. Surtout les biscuits. Les biscuits, des fois, les enfants, ils ouvrent la boîte, ils mangent une fois, deux fois, et après, ils disent, ah, maman, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais non, je ne veux pas ça. OK, on va faire une autre. Comme par exemple, je vais te dire une chose. J'ai mes enfants, par exemple, ils mangent pas le poisson. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire du poisson, on va faire un peu de l'oignon, un peu de des olives. On va mettre la capsule prête, la capsule. Okay. Et on revient dans 5 minutes. On revient dans 5 minutes, ok. On fait une petite pause, on va revenir dans 5 minutes. Donc, bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, on en parle beaucoup de nos jours. Il faut dire que les enjeux sont très importants. Gaspiller des aliments a d'abord d'importantes conséquences écologiques. En ce mois d'août 2021, on cuit comme on n'a jamais cuit au Québec. Donc, les conséquences climatiques nous parlent vraiment beaucoup. Gaspiller des aliments, ça veut dire gaspiller l'énergie utilisée pour leur production, pour leur transport, pour leur conditionnement, quand on les réfrigère, etc., pour leur vente. Ça veut dire également gaspiller d'importantes ressources terrestres, l'eau si précieuse, les terres, mais aussi les engrais, etc. Ça veut dire également contribuer considérablement au réchauffement climatique. 30% du CO2 émis est dû à la production de nourriture. Et quand on jette la nourriture, on a produit ces gaz pour rien. Par ailleurs, les aliments jetés se ramassent le plus souvent dans des sites d'enfouissement où ils pourrissent et où ils produisent du méthane. Le méthane produit environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. S'il est beaucoup moins présent dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone,
Il est environ 30 fois plus puissant en matière de réchauffement climatique. Bon, évidemment, ce sont des émissions qui pourraient être captées, transformées en énergie, ce qu'on appelle le biogaz, et donc qui ne se retrouveraient pas dans l'atmosphère, mais la plupart des collectivités ne sont pas équipées pour réutiliser ce méthane. Donc, jeter la nourriture est très dommageable pour l'environnement. Bien sûr, on pourrait composter, on compose de plus en plus, c'est un grand pas dans la gestion des déchets, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un potager. Et beaucoup de logements sont encore mal équipés pour faire la collecte de compostage. Donc, utiliser le plus efficacement possible nos fruits et légumes est un grand pas pour la protection de l'environnement. Je résume, gaspiller de la nourriture, ce n'est pas acceptable d'un point de vue écologique. Gaspiller les aliments signifie contribuer à la faim dans le monde. La relation entre le gaspillage alimentaire et la faim est complexe, mais réelle. En effet, les standards de qualité exigés par les consommateurs des pays riches engendrent du gaspillage pour les producteurs et pour les marchands. On veut seulement des fruits de bel aspect, etc. Donc, l'industriel voudra produire de plus en plus, hein, il sait que tout ne sera pas acheté. Il va aller négocier un achat de matières premières à prix de plus en plus bas auprès du producteur. Hein. Donc, ça va accroître la pauvreté du producteur qui va accepter de travailler pour de moins en moins d'argent. Et il faut savoir aussi que produire de plus en plus, ça va vouloir dire consacrer de plus en plus de terres pour des cultures qui vont aller à l'autre bout du monde, au détriment de cultures qui pourraient nourrir la population locale. D'ailleurs, cette population locale, elle serait bien en peine d'acheter ces fameux produits hein, parce que les prix montent tellement. Donc, comme il y a moins de produits sur le marché, évidemment, il y a montée des prix et des prix qui grimpent, en particulier dans les pays en voie de développement où les consommateurs ne peuvent pas faire face à ces augmentations. Ça signifie pour le moins l'insécurité alimentaire et même parfois on peut frôler la famine. D'ailleurs, selon l'ONU, la hausse à un an du coût des denrées alimentaires a été de 40%. Considérable à l'échelle mondiale. Donc, gaspiller des aliments, ce n'est pas acceptable d'un point de vue éthique. Gaspiller des aliments, ça a des conséquences économiques. On vient de l'expliquer, moins de denrées disponibles sur le marché, augmentation des prix. Donc, tout le monde ne peut pas accéder à une nourriture saine de qualité. Au Canada, l'augmentation du coût des denrées alimentaires observée sur ces dernières années, représente une dépense additionnelle de $700 par an pour une famille moyenne de 4 personnes. On comprend qu'utiliser de matière optimale nos produits contribue également à réduire le coût du panier d'épicerie. Donc, en résumé, lutter contre le gaspillage alimentaire, ça permet d'agir pour renverser le dérèglement climatique et pour permettre à toutes les familles de notre communauté d'accéder à une nourriture saine en quantité suffisante, ce qui est une des missions que s'est donné le Relais communautaire de Laval. Ok, tu sais qu'est-ce que je veux? J'ai besoin de couper ça. On coupe ça. Attends, on va pas. Comme ça, puis on va couper une autre. J'ai besoin d'une autre feuille. Et on la met à l'envers. Ça. Le roulement. Tu ne vois pas couler par là. Oui, mais je te donne un secret pour les femmes. Regarde, on tient bien ici. Regarde ici. Tu tiens bien ici et tu les roules. Pendant que tu les roules, elle va devenir uniforme. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas les boules ici, c'est bon. Yeah. Il
ici, on va les attacher comme ça. C'est pour ça qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, que celui-là, il va rester en frigidaire, qu'il soit un peu dur, pour demain, on va le couper. Ce n'est pas exactement demain, c'est 2 heures, 3 heures, tu peux le couper comme ça. On est à l'heure. Tu peux le mettre 2 heures, parce que les enfants, on n'a pas de patience. Tu peux le mettre 2-3 heures à congélateur. La préférence de frigidaire, c'est mieux. Oui. Qu'il soit bien tout doucement. Voilà. Regarde. C'est facile. Hein? Écoute. C'est très, très, très facile. Ça, c'est un. On va faire l'autre, chef. Non, c'est correct. On va le faire à la mer, si tu veux. Ici. Tu peux me couper un autre morceau, s'il te plaît? Pour ça, c'est important de laisser un peu s'enfroidir parce que ça, chaud avec le plastique, ça ne va pas bien. Non. Ça ne va pas très bien. Alors, on doit les laisser un peu comme 10 minutes se froidir. Se froid. OK. Nous, on a fait cette recette, mais tu te rappelles que tout le monde est venu nous demander la recette. Et maintenant, on a fait la chance, on a la chance de donner la recette. Tout le monde aura la chance pour voir ça, oui. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. Que toi et moi, mesdames et messieurs, c'est très facile. Oui. Facile comme bonjour. Tu as pour 10 minutes, 15 minutes, tu vas faire ça. Tout de suite. OK. On va mettre ça dans une plaque. OK. Faire une note. Comme ça. 1, 2. C'est pas grave s'ils sont parfaits comme la quantité. On fait la moitié. Ou sinon, on peut faire 3 plus petits. C'est ça que je suis en train de faire. 3 plus petits que ça. Si tu fais 10 fois, là, après tu vas être à l'aise. Moi, je fais ça depuis quand j'étais petite avec ma mère. Non, je vais encore un autre. Hey. Esthétique aussi. Ok, c'est un autre. Combien de temps ça peut durer dans les frigos? Ça dépend. Si à partir de 2 heures, 3 heures, c'est beau. Quand tu le vois, c'est un peu dur ici. À partir de 3 heures, tu peux enlever. Moins de 3 heures, parce qu'il faut que tu coupes ici. Je vais te donner une exemple. Soit dur. C'est que quand tu coupes ici, il faut que c'est dur, c'est pas mou. Quand
Comme ça, tu ne vas pas perdre les affaires dedans. On va voir après des rondelles. Après des rondelles. Demain, on va les faire, on va les copier, on va les voir comment ça se passe. Il s'appelle salami, il va sortir comme un morceau de voilà, salami. Comme un morceau de salami. Comme ça, voilà. J'ai besoin d'une autre feuille. Après, on doit les garder au frigo. Oui, on doit les garder au frigo. Oui. Parce que c'est le beurre qui va travailler sur la, la densité. Oui. S'il n'y a pas de beurre ici, il ne va, va pas tenir. Il va rester tout le temps comme ça. Mais le beurre, c'est le beurre qui fait tenir le rouleau là. Et même les goûts, hein? Bien sûr. Le beurre, ça. Ça donne un goût vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup les beurres, mais surtout les gâteaux. Chef, c'est quoi la différence entre le beurre et la margarine? Non, le beurre, c'est mieux. Le beurre, parce que le beurre, il a un goût spécial. Par contre, le margarine, c'est... Le margarine, c'est fait pour d'autres choses, pas pour les gâteaux. On est prête. Voilà, madame et monsieur, les biscuits. C'est 30 minutes depuis qu'on a commencé? Oui. C'est rapide. C'est combien? C'est quelle heure maintenant? C'est 2h30. Parfait. Dans 30 minutes, regardez. Ça, c'est pour manger 3-4 jours. Très, très, très délicieux. Je vous garantis que très, très délicieux. Chef, si tu as quelque chose à ajouter, je vous conseille à vous faire ça. N'hésitez pas de venir, si vous avez la chance de venir ici au Relais Communautaire, de nous demander de faire ça, de présenter ça ou bien quelque chose que vous avez oublié. On est là pour vous mettre ça en ordre. Il n'y a pas de problème. Mardi prochain, on va faire un autre atelier. Oui. Oui, pourquoi pas. Jeudi prochain, on va faire notre atelier. Soyez patients, on va tous les semaines, on sera avec vous. Mardi aussi, on va faire un atelier Zoom. Je vous invite aussi mardi avec mon collègue Annie. Qui est vraiment, vraiment bon, un truc d'anti-gaspillage. Puis aussi, on va monter cette vidéo sur notre site web. Je vous encourage de nous laisser votre message, votre impression, votre, ou pour message. Votre commentaire. Votre commentaire. Si vous avez les photos de vos recettes aussi. Ou photos de votre recette. Oui. Si vous avez trouvé des difficultés, laissez-nous savoir ça au message. Écrivez-nous ou bien si vous avez l'occasion de rentrer le relais, dites à nous qu'on va faire, on va répéter pour vous, il n'y a pas de problème. Chef, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bye, bonne journée, à la prochaine. À mardi prochain.